vivement par cette firme. Vous allez entendre maintenant une interview qui est très émouvante, qui a été enregistrée il y a 2 jours par mes camarades de Rouen, Roger Luc et Pierre Leherle. Joe Schlesser, quel effet ça vous fait de courir pour la première fois en Formule 1 sur une nouvelle voiture, assurément la plus révolutionnaire de ce Grand Prix de France? Ça me fait un plaisir immense, évidemment, parce que c'est la première fois que j'ai la chance de conduire sur une vraie voiture de Formule 1. Mais ça m'inquiète un peu du fait que je dois en même temps un peu mettre au point cette voiture. Et je crois que c'est quand même des grosses responsabilités. Est-ce qu'hier elle s'est bien comportée, je crois, dans les essais? J'ai pas eu le temps de tourner beaucoup, puisque chaque fois que je me suis arrêté, on a travaillé beaucoup sur la voiture pour essayer de l'améliorer, justement. Mais je pense que cette nuit, on a travaillé jusqu'à 4 heures du matin, et je crois que la voiture va aller beaucoup mieux aujourd'hui. Je crois que depuis quelques années, vous couriez après cette occasion formidable de courir en Formule 1, je crois. À 40 ans, quel effet ça vous fait? J'y crois presque pas encore maintenant, vous savez. Est-ce qu'un pilote est vieux à 40 ans? Pardon? Est-ce qu'un pilote est vieux à 40 ans? Ça dépend, je me sens pas vieux encore. Ça dépend, vous savez, vous avez des gens qui sont vieux à 25 ans. C'est bien vrai. Alors, un pronostic pour dimanche, Honda? Je sais pas, vraiment j'en sais rien. C'est le point d'interrogation? Non, Honda je pense, parce que j'ai vu sortir ça à Spa avec sa voiture, et je trouvais qu'il avait été vraiment très 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 vite. Et je crois qu'ici il a une grande chance de gagner, parce qu'il est très résistant, et sa voiture, cette fois maintenant, je crois qu'elle est très solide. Alors on vous attend dimanche. D'accord. Au revoir, Joe Schlesser. Au revoir, merci.